Madame Duvivier. Je peux te tutoyer. On va se tutoyer. Normalement, d'accord, les entretiens veulent qu'on se vouvoie, mais ici, on verra au cours de l'entretien que ça fait 10 ans qu'on se connaît. Oui. Et même un peu plus si on retourne dans certaines anecdotes. Alors, tout d'abord, on est chez Willy Lefebvre, Marc Page, dans le cadre des causeries. Et on a décidé de te recevoir à l'occasion de la sortie de ton dernier ouvrage, le cinquième, Eden Beach 1970. Mais la sortie de cet ouvrage, dont tu parles dans différents endroits, hein, tu seras à l'AREA la semaine prochaine, à la bibliothèque de Boisfort au mois de mars, c'est aussi l'occasion de revenir un peu en arrière. Et quand j'ai pris mes petits papiers, je me suis rendu compte que, te souviens-tu de ce que tu faisais à peu près mi-juin 2013? Eh bien, à mon avis, je devais sortir mon premier... C'était l'apparition de mon premier roman, je pense. Voilà, exactement. Ouais. C'était l'apparition de ton premier roman, oui. Un échange risqué aux éditions Zellige. Oui. On va peut-être commencer par le début, le contact avec l'écriture, et avant même l'écriture, la lecture. Voilà, est-ce que tu te souviens à quel moment... tu t'es mise à lire? Est-ce que tu étais une enfant qui dévorait les livres? Est-ce que au contraire c'est venu sur le tard? Mais écoute, Internet n'existait pas quand j'étais petite, donc je lisais. Je pense que j'ai dû dévorer toute la bibliothèque rose et puis après ça toute la bibliothèque verte, ça devait être ça. Je pense au malheur de Sophie, je pense à l'histoire avec le général Dourakine, enfin des trucs que j'aimais vraiment beaucoup, donc j'ai toujours lu. Mais l'écriture est venue vraiment tard. Peut-être il y a une quinzaine d'années, j'ai commencé par aller à des ateliers d'écriture, juste pour le plaisir de voir un peu ce que c'était. Et puis, de fil en aiguille, bon, ben, j'écrivais des petits textes, c'était dans des cahiers, je faisais rien avec tout ça. Et puis un jour, j'ai eu vent d'un atelier d'écriture de romans qui existait, et j'ai eu envie de me lancer dans cette aventure-là, alors que, en fait, je n'y connaissais rien. Donc, je n'avais pas les clés de... comment construire un récit, comment tenir ton lecteur en haleine, comment mettre du suspense, tout ça, j'ai appris au fur et à mesure et un peu sur le tas, grâce à un atelier d'écriture. Voilà. Alors, c'était donc la première publication il y a 10 ans, oui. Et on aurait pu commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, par te présenter. Et moi, j'aime toujours prendre ce qui est sur la quatrième de couverture, avec... donc cet entretien sur tes 10 ans d'écriture, 10 ans d'écriture, 5 romans, ça va nous permettre aussi de tracer des parallèles, des ponts, d'un peu analyser, de faire une analyse de canapé en une demi-heure. Et donc, si on prend ton premier roman, il était mis Anne Duvivier vit à Bruxelles. Après avoir été responsable de la communication dans un grand groupe immobilier, elle exerce aujourd'hui en tant que psychothérapeute. Un échange risqué est son premier roman. Et là, il y a quelque chose, sais-tu la grande différence qu'il y a entre tes deux présentations, entre ton premier et ton cinquième roman? Mais là, dans le dernier roman, je dis je suis psychothérapeute et ça n'a rien à voir. Mais j'oublie la première partie de ma vie professionnelle. Alors, exactement, c'est que généralement, au fur et à mesure que les auteurs ou les autrices sortent des livres, ils ont tendance à... faire grossir le pavé en rajoutant tout ce qu'ils ont pu avoir. Si au passage il y a eu un petit prix littéraire, ils rajoutent le petit prix littéraire. Et toi, tu vas vers une espèce de simplification, d'épuration presque, puisque on a Anne Duvivier vit à Bruxelles. On a effectivement perdu en chemin toute la partie sur la communication dans le grand groupe immobilier. Il reste, elle est psychothérapeute et ça n'a rien à voir. Et là, c'est quand même un peu mettre un indice comme ma question pour un champion, parce que si ça n'avait vraiment rien à voir, ça ne serait probablement pas noté sur le livre. Et tu dis Eden Beach est 1970 et son cinquième roman. Voilà. Est-ce qu'à ça, il faudrait rajouter des choses? Ben, peut-être que ce psychothérapeute, ça n'a rien à voir, c'est un peu un clin d'œil forcément. Peut-être un pied de nez aussi, peut-être que ça indique que j'aime bien mettre de l'humour et du second degré dans mes romans. Je pense que ça parle de ça, surtout. Ok. Alors, effectivement, y a une œuvre qui est en construction, qui commence à pouvoir être analysée, parce que sur un premier roman, on ne sait pas ce que sera le second, et là, à partir du cinquième, on peut commencer à voir émerger des thématiques récurrentes.
Et je te propose un peu de discuter de ces thématiques aussi. Et pour ça, de par exemple repartir d'Eden Beach. Donc Eden Beach, en quelques mots, c'est cette histoire d'une jeune Belge, Charlotte, qui se retrouve mariée et qui est aux États-Unis. Et puis son couple va péricliter. Et elle va partir dans une fuite vers cette fameuse plage, ce fameux Eden Beach. Mais ce qui est présent dans ce roman, et qui est présent dans tes quatre romans précédents à des degrés divers, c'est la notion de la famille, et dans quelques cas, souvent d'un certain modèle de famille, la famille aisée, bourgeoise, bruxelloise, dans sa grande maison ou son hôtel de maître particulier. Est-ce que c'est une thématique qui t'intéresse? Parce qu'on a aussi des relations dans Cendre, ce sont ces deux sœurs et cette cousine qui partent après la mort du papa des deux filles, un peu détricoter les éventuels secrets familiaux. Ici, on était dans un salon de coiffure avec la tenancière et sa fille. Et donc, il y a toujours finalement une racine familiale qui est soit le déclencheur, soit vraiment le terreau propre du livre. Alors écoute, ce n'est pas voulu quand j'écris, je ne réfléchis pas à ça. Mais ce qui me vient à t'entendre, c'est que on est tous issus d'une famille et d'un environnement social. Et donc je pense que c'est ça aussi qui nous fait, qui nous met parfois en difficulté aussi. Et donc je pense que j'ai besoin d'ancrer mes personnages et de savoir qui ils sont, où ils ont vécu, dans quel type d'environnement, quel genre de famille. Et ça me permet de créer des conflits, des loyautés, enfin ou de les mettre en difficulté aussi parfois. Alors, on ne fait pas un livre sans personnage, ou du moins c'est moins classique. Mm-hmm. Comment est-ce que finalement le livre vient s'installer en toi? Est-ce que, parce que quand on regarde aussi sur tes 10 ans d'écriture, c'est que au fur et à mesure, les publications, le temps de publication entre chaque livre se réduit, puisque ici on était en juin 2013, et puis on arrive à peu près en octobre 2016 avec My Brussels Beauty, donc on est à peu près sur un gros 2 ans et demi, presque un petit 3 ans. On arrive en janvier 2019, donc on est à peu près aussi sur 2 ans et demi. Et puis, alors est-ce que c'est... Les 19, c'est pas 17 celui-là? C'était, je pense, c'était février 2019. Oh, bon. Voilà. Et puis, est-ce que c'est l'effet Covid? Est-ce que c'est une prise d'assurance de ta part? On est sur tes deux derniers qui s'enchaînent relativement rapidement, puisque Cendre était sorti au mois d'août 2021 et que celui-ci est sorti au début de ce mois-ci, février 2023. Et donc, est-ce qu'entre guillemets, tu es rentré dans une mécanique, je vais dire à la parisienne, presque de une année, un livre, presque comme l'agenda du chat de chez Gueluc? Ou est-ce que c'est au plaisir quand ça vient? Et ma première question avant toute cette petite explication, c'était justement comment est-ce que le livre vient en toi? Est-ce que tu y mets du temps, où tu te dis je m'assieds à une table et il faut que je sorte des idées? Est-ce que tu attends que ça percole en toi et que si ça ne percole pas pendant 3-4 ans, tu n'écriras plus de livres pendant 3-4 ans? Mais écoute, d'abord je trouve que j'avance en âge et donc j'ai plus trop de temps devant moi. Donc je pense qu'il y a quelque chose de ça qui me pousse aussi. J'écris surtout en atelier d'écriture. En fait, j'écris dans le cadre, en tous les cas, le premier jet d'un roman. Et donc ça, c'est quelque chose qui me cadre, qui me structure. Alors pour commencer un roman, en fait, je n'ai aucune idée précise. Je pars très souvent d'une petite anecdote, une anecdote de rien du tout, hein, parfois. Et puis je ne sais pas où je vais aller. Et donc je vais construire au fur et à mesure. Mais oui, c'est presque toujours mon point de départ. Mais l'envie est là d'écrire et de rentrer dans une histoire, d'inventer des personnages. Donc j'ai vraiment un désir d'écrire et un plaisir à écrire. Enfin, quand je dis plaisir, parfois c'est du travail et c'est dur aussi. Hein. Oui, mais effectivement, ça peut être dur, mais je veux dire, c'est un plaisir parce que sans ça, rien ne t'obligerait à le faire. En fait, je veux dire, au début, quand tu as écrit tes petits textes et puis tu es allé vers l'atelier d'écriture, est-ce qu'il y a eu très vite l'idée et la volonté de se faire publier?
ou bien, je vais dire, tu aurais pu très bien imaginer écrire un livre par an ou un livre tous les 2 ans et les faire simplement lire dans ton cercle familial, amical, sans devoir passer par la publication. Est-ce que finalement la publication, qu'est-ce que tu avais mis dans la publication? Est-ce qu'il y avait une sorte de légitimation? Est-ce qu'il y avait une envie d'être connu et de pouvoir diffuser ça plus facilement? Est-ce que c'était une sorte aussi de défi de réussite? C'était pas un défi. Je sais pas comment c'est venu finalement. Je pense qu'on m'a encouragée dans mon atelier d'écriture lorsque j'avais fait un premier roman, de me dire, on m'avait dit, mais écoute, c'est publiable, tu dois le retravailler, c'est publiable. Et je pense que c'est ça qui m'a dit, ok, je vais oser, je vais envoyer. Et c'est vrai que quand j'ai reçu ce coup de fil de cet éditeur, j'aurais sauté au plafond, tellement j'étais contente et je n'y croyais pas. Et que c'est vrai que ça me donne une assurance et une légitimité. C'est la reconnaissance d'un tiers qui me dit, bon, ben, ce que tu écris, c'est pas trop mal. Je vais investir là-dedans. Et donc pour moi, c'est vraiment un soutien. J'aurais jamais pu faire de l'auto-édition. Je crois que je ne me sens pas suffisamment sûre de me dire, ben, lisez ce que j'écris, c'est bien, ça vaut le coup. Non. Alors, tu viens de citer le mot auto-édition. Moi, j'ai parlé d'éditeur. Oui. Dans le cadre de cette petite analyse présentation autour de 10 ans d'écriture, il y a quelque chose, alors qui n'est pas spécialement juste propre à toi, mais que toi, tu as en commun avec d'autres écrivains, c'est qu'en fait, tu as été un peu ce que j'appelle... une sans-éditeur fixe, dans le sens où on est avec un échange risqué aux éditions Zellige dans cette excellente collection Vent du Nord qui a vu être publiée d'autres Belges, dont Michel Torkens. Oui, j'y pensais, oui. Et puis tu es passé sur les hauteurs de Liège, chez Murmure des Soirs, pour finalement arriver chez M&O, derrière lesquels se cache... Un acronyme plus développé qui est, le connais-tu toi, M-E-O, Monde Édition Ouest. Alors je crois que c'est Mode Est Ouest. Oui. Voilà. Voilà. Le nom complet. Et donc là c'est chez Gérard Adam. Voilà. Et donc voilà, ça aussi c'était. Alors comment est-ce que tu vois ça, plus comme des opportunités, des accidents de parcours, le besoin d'avoir vraiment des gens qui croient en ton texte et du coup de partir d'une maison d'édition si l'éditeur ou l'éditrice ne se sentait plus en phase avec tes écrits? Mais écoute, mon premier roman, j'ai d'abord été très étonnée d'avoir un éditeur qui s'y intéressait. Et puis, il n'a pas aimé le second roman que je lui ai envoyé. Donc voilà, il m'a dit non. Donc je me dis, bon, ben, je vais essayer d'autres éditeurs. Il a atterri chez Murmure des Soirs, qui était assez enthousiaste, qu'il a publié. Et puis elle n'a pas aimé mon troisième roman. Et donc c'est comme ça que finalement je suis arrivée un peu par hasard chez Méo. Et là, c'est mon troisième maintenant qui est paru chez Gérard Adam, donc chez Méo. Et je dois dire, je suis vraiment bien soutenue. C'est un éditeur qui prend soin des textes, qui prend soin de ses auteurs aussi. Il me donne des corrections, ce qui pour moi j'apprécie vraiment parce que je trouve que j'apprends et que je m'améliore. Moi je suis autodidacte dans le domaine et donc assez modeste par rapport à cela. Et donc il me dit, il faut écrémer, il y a des choses qu'il faut enlever, c'est pas utile. Donc c'est pas tellement au niveau du fond, c'est au niveau de la forme qui me fait retravailler certains textes. Et alors il me dit, bon, il faut écrémer. Alors je fais ce travail, et puis il me dit, mais non, c'est pas suffisant. Et donc il barre certaines choses. Et alors, parfois, quand on a tellement son nez sur un texte que moi je ne vois plus. Et quand je barre, j'enlève ce qu'il m'a demandé d'enlever, je me dis, mais oui, c'est évident, ça a beaucoup plus de force comme ça. Donc voilà, je suis très reconnaissante d'avoir un éditeur qui me soutient et qui m'accompagne. Alors, tu viens de citer un mot qui, je trouve, prend son importance, surtout avec tes deux derniers ouvrages, c'est la forme. On est à une époque où beaucoup de choses que nous lisons se fait de plus en plus au travers d'un écran, que ce soit l'écran de l'ordinateur, l'écran du smartphone, et puis maintenant ce fameux livre numérique qui est apparu il y a 20 ans et qui oscille entre succès et non-succès. Et
si on regarde bien tes deux derniers livres, j'appelle ça presque un peu l'effet Amélie Nothomb, mais on pourrait prendre d'autres auteurs, c'est que finalement, on commence à arriver sur un packaging, appelons ça commercial peut-être, qui est commun, puisque on est avec du bleu, on est avec de l'écriture blanche, alors on a une photo couleur, une photo en noir et blanc. Est-ce que toi, en tant qu'écrivaine, tu accordes de l'importance à l'objet fini? Ah oui. Et que tu essayes d'avoir ton droit de décision ou du moins de conseil dessus, puisque pour ceux qui ne le savent pas, très souvent, dans la plupart des maisons d'édition, la couverture et la quatrième de couverture appartiennent à l'éditeur et non à l'auteur, et donc c'est eux qui font les choix. Et ici, voilà, vraiment, on se dit, quand Anne Duvier aura écrit 15 romans, est-ce qu'on peut s'imaginer qu'on aura, comme chez Gallimard ou comme chez Albin Michel avec le fameux effet Amélie Nothomb, toute une rangée bleue, une vague bleue dans sa bibliothèque? Mais écoute, oui, pour moi, la couverture est vraiment importante. Je trouve qu'elle doit parler du livre, elle doit donner envie d'ouvrir le livre. Et donc, j'ai demandé à un graphiste, donc mon éditeur Gérard Adam était tout à fait d'accord. J'ai demandé à un graphiste de faire un avant-projet, enfin de faire plusieurs avant-projets. Et puis j'en ai discuté avec Gérard Adam, on a regardé un petit peu ce qui convenait. Et puis on s'est mis d'accord. Mais moi, pour moi, c'est vraiment important. Alors, on va profiter de ton dernier roman pour replonger au sein de ton œuvre. Donc, Eden Beach, ça sonne effectivement anglophone et même américain. Si je te dis États-Unis, par rapport à ton œuvre, évidemment, oui. Qu'est-ce que ça t'évoque? Ben, écoute, c'est vrai que Eden Beach se passe aux États-Unis. Et mon premier roman, c'était une jeune Jane, une jeune américaine qui venait passer, je crois, 6 mois en Belgique pour faire des recherches. Oui, effectivement. Mais il se fait que dans la réalité, moi j'ai habité les États-Unis pendant 5 ans, il y a des années de ça. Et donc, je crois que ça doit faire partie de mon fond. Alors, ça fait partie de ton fond, effectivement. Oui. Ce qui fait aussi partie de ton fond, alors là je t'ai dit États-Unis, oui. Mais c'est cette volonté du voyage, de oui. L'internationalisation, puisqu'en fait, quand on repasse tous tes livres en revue, oui. Il y a toujours une fuite, alors au sens propre ou figuré, oui. Vers l'étranger, puisque tu viens de le dire, un échange risqué, on a cette jeune chercheuse Jane qui vient à Bruxelles, et où il y a un échange d'appartements, mmh. Et c'est de là que démarre le livre. Sur un amour de psy, là je crois qu'on restait plus en Belgique, oui. Eden Beach. La fuite était dans sa voilà. tête. Eden Beach, on vient d'en parler. Oui. Sandre, tu nous emmenais sur l'île italienne de Ischia. Oui. Et Miles Breath of Beauty, il y avait un anglais et il y avait une partie du moins évoquée de Londres et de l'Angleterre. Oui. Et à côté de ça, ce qu'il y a dans tes 5 ouvrages à chaque fois, c'est Bruxelles. Mm-hmm. Alors, est-ce que Bruxelles, pourquoi Bruxelles dans les livres? Est-ce que c'est parce que c'est la facilité, parce que c'est là où tu vis? Est-ce que c'est la volonté d'affirmer une certaine belgitude, et notamment en lien avec le fait d'être publié en Belgique, on en parlera après, de ce fait de ne pas avoir franchi la frontière. Voilà. Surtout qu'à chaque fois, Bruxelles est vraiment contextualisée, c'est presque un personnage, c'est pas juste voilà, ça se passe à Bruxelles. Non, dans Cendre, tu reviens sur cet événement catastrophique qui a été l'incendie de l'innovation Rue Neuve, le bâtiment de Victor Horta. Ici, on sent bien qu'on est dans ces beaux quartiers autour des squares qui sont devenus les squares européens, Square Ambiorix, Square Marie-Louise, etc. Donc il y a vraiment chaque fois un quartier de Bruxelles, ici dans My Brussels Beauty, c'était côté place Flagey, juste ici en oui. bas. Et donc il y a vraiment une volonté de faire exister Bruxelles. Oui. Alors pour moi, en fait, je suis bruxelloise, j'ai toujours vécu, je suis née ici, et j'ai toujours vécu ici à l'exception de 5 années aux États-Unis. Et donc ça me permet d'ancrer mes personnages. Donc quand je commence un chapitre, dans ma tête, je les vois dans un lieu bien précis. Et donc Bruxelles fait partie de cet environnement où j'aime les faire évoluer, où je peux les voir évoluer, parce que je connais bien Bruxelles et que j'aime Bruxelles. Et donc tu pourrais presque un jour envisager de faire un livre historique, un roman historique, ou... Parce que pour le moment on est sur
on est sur des romans, je vais dire, contemporains, puisque oui. on n'a pas spécialement à chaque fois la date, mais à part dans Cendre, ou bon, bah, avec l'incendie de l'innovation, c'est plus ou moins. Qui est un flashback. Voilà, en fait, ce qui dit est un flashback. Oui. On sait dater qu'il y a une partie qui est un peu plus en arrière, mais sinon, de manière générale, quand on lit tes romans, on comprend qu'on est dans ces années 2010-2020, ne fût-ce que parce qu'ils ont des smartphones, des choses comme oui. ça. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de la possibilité d'un roman, soit historique mais à caractère fictionnel, soit par exemple de vraiment repartir sur un fait historique et de le développer? Non, j'y ai jamais pensé. Non, vraiment pas. Ça ne me tente pas en fait. Okay. J'aime bien que Bruxelles soit la trame de fond, mais un peu comme tu aurais un décor dans lequel ils vont évoluer. Mais non, historique, non. Je ne me sens pas attirée, je ne me sens pas de taille non plus pour faire ça. Parce que les petits événements, enfin les petits événements, l'incendie de l'innovation, ce sont des faits marquants. Moi, je me rappelle de ça enfant. Et donc, voilà, j'utilise des choses que je connais, comme la place Flaget, mais très familière. Voilà, je connais le café Belga, il y a des scènes qui se passent là-dedans, enfin dans cet endroit-là. Donc, je vais utiliser ce que je connais. Tu vas utiliser ce que tu connais. Alors. Et puis, je vais inventer quelque chose à partir de ces lieux-là. Oui, tout à fait. Quand on replonge dans tes livres aussi, il y a une autre thématique qui se développe, qui est un fil rouge presque dans tous tes ouvrages. C'est, et encore plus dans Eden Beach, parce que là, ça vient se mettre à l'avant-plan, c'est l'émancipation de la femme, puisque ici, dans le cas de Charlotte, je vais dire, bon, on est dans les années 70, comme le dit le titre, et elle ose quand même quitter son mari, partir dans cette plage un peu plus loin aux États-Unis, prendre un petit travail, un job de serveuse, alors qu'on est à une époque où la femme, ce n'est pas prévu qu'elle travaille, ou c'est encore assez rare. Et en fait, quand on retraverse tous tes romans, on est souvent d'abord dans le regard d'une héroïne plus que de celui d'un héros. Est-ce que c'est une décision, un choix narratif du fait que tu sois une femme? Est-ce que c'est lié à la facilité, entre guillemets, de se dire qu'on sait comment, en tant que femmes pensent les femmes, ou en tant qu'hommes comment pensent les hommes? Est-ce que c'est une volonté aussi de mettre le plus possible d'héroïnes dans les livres? Parce que je lisais dernièrement un très bon essai littéraire que je vous conseille, qui est L'autre moitié du monde d'Alice Zénitaire, l'écrivaine française qui a notamment fait, alors c'était pas L'art de la guerre, elle, c'était L'art de perdre, et elle disait, un magnifique livre, voilà, magnifique. Elle disait, en fait, toute mon enfance, si je regarde les livres que j'ai lus, je ne pouvais pas être les héroïnes, parce que les héroïnes étaient toujours soit au service du héros, soit soumises, et elle citait Constance dans Les Trois Mousquetaires, elle citait Emma Bovary en disant, bah, finalement, on l'a fait passer pour folle, neurasthénique, etc. Elle citait Cosette, où elle disait, bah, en fait, une fois qu'elle a réussi à s'échapper de sa prison, qui était la famille Thénardier, elle se retrouve dans un couvent de bonnes sœurs pour son éducation, ce qui n'est pas mieux. Et donc voilà, est-ce que pour toi, ça a vraiment une importance Mais je n'ai jamais réfléchi à cette question. C'est sûr que quand je suis... je raconte la vie d'un personnage et je suis assez proche, même si j'écris en il, enfin en elle, je ne dis pas je, mais je suis très très proche des pensées et des émotions du personnage. Donc sans doute que c'est plus facile de rentrer dans la peau d'une femme. Ceci dit, pour un amour de psy, je suis rentrée dans la peau d'un homme. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'a donné une très grande liberté. Parce que là, je pouvais vraiment inventer tout ce que je voulais. Peut-être que ça a à voir aussi, je suis psy, et c'est l'histoire d'un psy qui déraille, et qui franchement déraille fort. Et donc peut-être que ça m'a donné cette liberté, parce que j'avais besoin qu'il soit suffisamment à distance de moi, étant un homme. Mais oui, c'est vrai que souvent je lis des romans écrits par des femmes. Maintenant que tu le dis, j'ai jamais beaucoup réfléchi à cette question, mais j'aime bien l'écriture des femmes, j'aime bien ce qu'elles ont à dire. Alors,
propre à tes 5 livres, je rebondis, tu viens de parler de la narration, en disant que c'est quasiment toujours, à part quand tu te mets dans la tête du psy, de la troisième personne, du singulier ou du pluriel, dans le cas de Sandre, où ce sont ces trois femmes. Est-ce que c'est un besoin, un choix narratif aussi, pour peut-être mettre une barrière, ou du moins un écart, entre la possibilité que ça puisse être du récit déguisé, puisque, je m'explique, on est de plus en plus souvent dans une époque où pas mal de romans, on voit encore le dernier prix Goncourt, qui est considéré, comme il a reçu le prix Goncourt, comme un roman, alors qu'en fait, en interview, Brigitte Giraud explique bien que c'est ce qu'elle a vécu il y a 20 ans au décès de son compagnon dans un accident de moto. Et donc, est-ce que le fait de ne pas utiliser le « je », est-ce que c'est un mécanisme pour que le lecteur ou la lectrice se dise « en fait, je n'ai pas l'écrivaine qui me parle directement en disant « je fais ceci, je fais cela, je pense à telle chose », mais de dire « ah ben voilà, ces troisième personnes du singulier sont des personnages qui ne sont pas raccrochés de manière directe à leur auteur par le jeu ». Je ne sais pas si c'est un truc à proprement parler, mais parce que c'est chaque fois des personnages de fiction. Je n'écris pas de l'autobiographie. Et donc, ce « elle », quand je parle de « elle », quand Charlotte « elle », ça me permet d'être au plus près d'elle, en fait. Je ne suis pas sûre qu'avec le « je », j'y arriverai. Ceci dit, j'ai envie de tenter l'expérience. Donc, peut-être que le prochain, je vais tenter écrire en « je ». Mais ça me paraît beaucoup plus difficile. Mais je ne sais pas si ça met plus de distance, parce que j'ai le sentiment qu'en étant... Je parle de « elle », mais je rentre vraiment dans sa tête et dans ses pensées, et parfois... je le mets en italique, ses pensées. Donc, ça me permet d'être très proche, en fait. Mais je te dis, ce n'est pas de l'autobiographie, donc c'est quand même très différent. Alors, si on continue et que je te pose la question, quel pourrait être l'autre point commun entre tes 5 romans, ouvrages ? Est-ce que tu serais ressortir une autre thématique qui finalement devient récurrente dans ton œuvre ? J'en serais bien incapable. Peut-être que toi, tu as une idée. Alors, si je te dis institution publique. Institution publique. Ça me dit alors, en fait, quand on prend tes 5 romans, on va se rendre compte que il y a toujours un lieu public, que ça soit... Alors, je vais te les passer en vue. Donc là, dans un amour de psy, alors là, on est dans un cabinet de psychologue. Alors, c'est pas spécialement public dans le sens organisation, mais il y a une salle d'attente, il y a des échanges qui se font. Ici, dans Sandre, y a quand même toute une partie qui se passe dans un hôtel et puis dans les cafés de l'île d'Ischia, etc. Donc de nouveau, c'est cette possibilité de lieu de rencontre, de connexion entre des gens qui viennent de différents mondes, de différents niveaux sociaux. Ici, c'est le salon de coiffure dans My Brussels Beauty. Alors, ici... C'est Eden Beach, c'est ce fameux restaurant bar de plage. Le Pops Café. Voilà, le Pops Café où Charlotte va trouver un emploi. Et on remonte en arrière en désordre, mais on finit avec ton premier roman. Et là, il y avait toute une partie qui se passait au Musée Royal de l'Afrique, devenu l'Africa Museum. Est-ce que c'est une volonté finalement que dans tous tes romans, il y a un lieu public et que ça ne soit pas des huis clos, des alcôves de salons, de voitures, d'avions, mais que finalement on puisse à tout moment en fait croiser un de tes personnages, puisqu'en fait en allant à l'Africa Museum, on aurait pu croiser Jane ou une chercheuse faisant ses études. Bon, au Pops Café, on est tous allés prendre un café un jour dans un café, un bar, on croise tous les employés. Salon de coiffure, c'est la même chose. C'est presque un point info presse de tout ce qui s'y passe. Salon de coiffure qui était aussi Wasserette. Aussi Wasserette. Cendre, ce sont les lobbies, les halls d'hôtels, les salons, la pension, etc. Et puis, on sait bien qu'on est tous allés un jour chez un médecin. Et que ça nous est arrivé d'entamer une conversation avec la personne qui attendait comme nous sa séance. Donc est-ce que c'est conscient de mettre des ouvertures, des lieux où les gens peuvent se rencontrer et où il pourrait se passer un rebondissement
Et il se passe des rebondissements. Et il se passe des rebondissements. Non, c'est pas du tout conscient. Je pense que ça participe du fait que j'ai besoin de voir ces personnages dans un lieu et j'aime bien qu'ils peuvent en rentrer et en sortir et que d'autres personnages rentrent. Et donc je pense que ça parle plutôt de la dynamique, mais c'est pas quelque chose, je me suis dit tiens, il faut que, non, ça vient naturellement en fait. Alors, on va reparler de ton travail d'écrivain. Tu disais oui. au début que c'était parfois dur sous certains aspects. Est-ce qu'on peut envisager que ça se fasse en trois temps, c'est-à-dire un temps de préparation, et peut-être que tu pourrais nous parler, est-ce que tu es quelqu'un qui va te documenter au préalable? Alors, dans le cas de l'incendie de l'innovation, c'est un fait historique, il y a pas mal d'articles de presse qui ressortent notamment quand on fait le triste anniversaire d'un passage de décennie. Par exemple, pour pouvoir donner vie à la Wasseret salon de coiffure, est-ce que t'es allé trouver une coiffeuse? Est-ce que tu te renseignes? Même chose pour le Pops Café. Est-ce qu'en fait, avant de partir dans l'écriture du livre, tu as besoin de lire, de rassembler des expériences, des papiers, un peu de dire, ok, j'ai une mallette d'outils sur lesquels poser mes piliers pour faire partir ma fondation? Non, je ne fais aucune recherche, en fait, sauf peut-être, par exemple, l'incendie d'innovation, je vais vérifier les dates, je vais vérifier quelques détails pour ne pas dire des bêtises. Mais la plupart du temps, je pars quand même de morceaux de souvenirs. Alors, tu parles du salon de coiffure. Il y a eu une époque, quand j'étais jeune femme, j'allais régulièrement chez le coiffeur. Et donc, c'était un environnement que je connaissais bien. Donc, je puise dans des choses que je connais. Par exemple, l'histoire qui se déroule, Cendre, qui se déroule à Ischia, ben, ça se passe dans une pension de famille dans laquelle je vais régulièrement, que je connais. Et donc ça me permet de voir l'ambiance, d'imaginer beaucoup plus facilement, parce que le lieu existe en fait. Ok. Alors, il y a un deuxième temps, qui est le temps de l'écriture, et tu nous en as déjà un peu parlé. Oui. Pour toi, il se fait en atelier d'écriture. Alors, est-ce qu'il se fait uniquement en atelier d'écriture? Non, il y a quand même du temps d'écriture Non, j'écris chez moi toute seule, et puis on se rencontre une fois par mois et on a un échange à propos de ce que nous avons écrit. Et donc là, j'ai des feedbacks en cours de travail, ce qui est intéressant parce que parfois je me perds, vu que je ne sais pas où je vais. Parfois je me dis à certains moments, il faut rassembler les fils de ce qu'on a écrit. Et vers quoi est-ce que ce personnage va aller? Et donc parfois ça m'aide de réfléchir avec d'autres. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte à cette époque où tout est influençable et où tout le monde pense être influenceur ou influenceuse à un moment? Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte justement en ouvrant la porte de ton livre en cours d'élaboration de construction, de pouvoir perdre la direction principale que toi tu aurais voulu faire, puisque quelqu'un qui va le lire risque de te dire « Ah ben moi je pense qu'après, Jane ou Charlotte, voilà ce qu'elle va faire, voilà ce qui va lui arriver » et qu'on te serve entre guillemets sur un plateau une idée qui n'était pas... Alors je ne sais pas si tu as des plans d'écriture à la base ou si c'est une brique par-dessus l'autre sans spécialement savoir jusqu'où on déroule l'écriture. Voilà. Comment est-ce que tu composes avec ça? Je pense que c'est intéressant ce que tu dis, parce que si tu ne t'appuies que sur les feedbacks que l'on te donne et que tu ne sais pas du tout ce que tu veux, c'est un risque. Mais par contre, si deux personnes ou trois personnes te disent la même chose à propos de ce que tu as fait faire à un de tes personnages, c'est intéressant d'entendre quand même quand des voix se répètent. Et donc... Au début, c'était peut-être pas toujours facile de composer avec ça, mais aujourd'hui, je me rends compte que même si je ne sais pas où je vais, il y a quelque chose, je sens, il y a une direction malgré tout, mais que je ne sais pas encore nommer. Donc, je peux m'appuyer là-dessus, ça m'aide, mais ça ne me fait pas perdre ma direction. Même si cette direction est encore assez floue, je ne sais pas la verbaliser. Ok. Et alors, il y a un troisième temps. Oui. C'est le temps où on se jette à l'eau. Alors, est-ce que d'ailleurs c'est bleu pour ça, ou pourquoi est-ce que c'est bleu? Tant qu'on est à... J'aime le bleu. À décortiquer le tout. C'est une belle couleur, j'aime le bleu. Alors, ce troisième temps, comme je viens de le dire, c'est se jeter à l'eau. Pour un auteur ou une autrice, se jeter à l'eau, c'est devoir aller à la rencontre du public. C'est finalement lâcher le bébé, perdre les eaux, perdre l'encre et rendre public son travail. Oui. Voilà,
Quelle est ta relation à ça? J'ai dit au début de l'entretien, bon, là tu es sur un entretien sans public, tu vas avoir la semaine prochaine et la semaine d'après des rencontres en public dans un cercle d'écrivains, où là c'est un public quand même spécifique, et puis dans une bibliothèque communale où là c'est encore un autre public, mais peut-être avec plus d'ouverture, parce que du moins dans l'assemblée ce ne sont pas que des écrivains. Mm-hmm. Voilà, est-ce que pour toi c'est important? Est-ce que tu pourrais envisager de ne faire aucune promotion en termes de rencontres et que tout se passe par les réseaux sociaux? Voilà, comment est-ce que toi tu vis un peu ce troisième temps qui est celui de la livraison, du partage, de la défense? Alors c'est un moment de haute intensité, hein, parce que finalement écrire c'est se dévoiler, même si ce n'est pas de l'autobiographie, c'est du dévoilement. Tu as des personnes qui vont aimer, des personnes qui ne vont pas du tout aimer, donc c'est pouvoir s'exposer à ça aussi. Mais j'aime bien ces moments de rencontre, ça donne aussi tout son sens au fait que ben, on écrit, si on écrit c'est quand même pour être lu, que ça soit partagé. Donc non, ce sont des moments que j'aime bien et qui sont, je trouve, très nourrissants aussi. Et j'apprécie aussi quand, maintenant avec Facebook et les autres réseaux sociaux, les personnes qui m'envoient un feedback, mais que ça soit positif ou négatif, parce que je trouve que j'apprends aussi quand on me donne des feedbacks négatifs et ce pourquoi c'est négatif. Et donc voilà, donc j'apprécie ce moment. Est-ce que justement, parce que le feedback négatif, ça peut parfois être, alors peut-être pas douloureux, mais ça peut atteindre, émouvoir. Est-ce que entre c'est vrai le moment, que c'est pas facile à entendre non plus. Hein, je suis d'accord. Est-ce que entre le moment où tu termines l'écriture du livre et sa publication, est-ce que tu sais plus ou moins nous donner le délai qu'il y a? Est-ce que c'est quelque chose que tu as terminé il y a dans le cas d'Eden Beach, il y a 2, 3, 4 ans et que du coup en fait tu es déjà peut-être avec 2-3 livres plus loin qui paraîtront dans les années à venir? Est-ce que tu es chaque fois, je vais dire, sur le tour même, c'est-à-dire j'écris un livre, il est publié, je commence le suivant, et que donc tu n'as pas un énorme recul? Parce que finalement, c'est aussi, dans l'acceptation des commentaires, il y a souvent le fait que les choses ont eu le temps de se reposer, et qu'entre guillemets, c'est déjà presque de l'histoire ancienne. Mais ce n'est pas le cas avec celui-ci. Celui-ci, je l'ai eu terminé il y a un an et demi, peut-être même 2 ans. Mm-hmm. Mais il a été édité, donc tout récemment. Et ce n'est que au mois de novembre, je ne dis pas de bêtises, novembre, décembre, non, peut-être en octobre, que j'ai dû faire des corrections. Et donc j'ai dû entièrement le revoir, enfin j'ai fait ces corrections. Donc je me suis réapproprié ce roman et je l'ai redécouvert, parce que c'est vrai, il avait été accepté, mais il a dormi pendant un an et demi. Pendant ce temps-là, moi, j'écrivais autre chose. Et le redécouvrir, c'est aussi intéressant, parce que je vois aussi où sont les forces, là où peut-être j'aurais pu faire autrement. Donc voilà, non, j'ai bien aimé alors être de nouveau en contact avec... On pourrait continuer pendant des heures, je pourrais me lancer dans l'analyse des voitures, des moyens de transport, de l'habillement de tes personnages, mais on ne va pas aller aussi profondément. Donc là, je l'ai dit plusieurs fois, on est à peu près à 10 ans d'écriture, moins 3 ou 4 mois. Oui. Enfin, 10 ans de publication pour être plus précis. Oui. Qu'est-ce que tu envisages pour les 10 prochaines années? Est-ce que on peut s'attendre à avoir une suite de thématiques en lien avec les 5 premiers livres? Tu as dit pendant l'entretien que tu essaierais bien un livre en jeu. Voilà, est-ce que tu as un peu un projet de... Tu disais aussi au début de l'entretien que l'âge venant, tu devais un peu accélérer les choses parce qu'il ne te reste... En tous les cas, ne pas traîner. Voilà. Je ne sais pas, ne pas si traîner. C'est accéléré, voilà. C'est pas pareil. Ne pas traîner. Oui. Voilà, comment tu envisages les 10 prochaines années? Mais écoute, de continuer sur ma lancée, c'est-à-dire continuer mes ateliers d'écriture qui me donnent vraiment un cadre de travail. Partir vers un peu plus de nouveautés, alors quand tu parlais d'écrire peut-être en jeu. Mm-hmm. Donc voilà, mais j'ai envie de poursuivre, ça c'est très clair. Ok, alors est-ce que le prochain est-il déjà terminé, en cours d'écriture, pas encore commencé? Est-ce que tu peux en parler, ne pas en parler? Ben oui, j'en ai écrit un l'année dernière et en fait il ne me plaît pas. Donc celui-là je l'abandonne, je ne vais pas y retravailler. Et j'ai recommencé un nouveau roman maintenant en septembre, avec des personnages, tous des personnages entre 60 et 70 ans.
Je vais les faire je ne sais pas quoi, enfin, interagir les uns avec les autres. Et donc ça, c'est le roman sur lequel je suis en train de travailler pour l'instant. Ok. Donc, mais avec beaucoup de personnages. Alors, avant de terminer, bah évidemment, moi je conseille à toutes les personnes qui vont nous regarder de lire ce roman que vous trouvez dans toute bonne librairie belge. Et toi, quel serait un conseil de lecture? Est-ce qu'il y a un livre que tu as lu dernièrement ou même dans toute ton existence et où si les gens qui nous regardent ne devaient lire qu'un seul livre, c'est celui-là? Ah, je savais que c'était la question piège. Eh bien, je dois avouer qu'il n'y a pas un livre. Je t'ai dit que j'étais une lectrice éclectique et je lis des choses très très différentes. Alors je vais nommer le dernier que je viens de lire. C'est horrible, je ne me rappelle même pas le titre, mais c'est Lola Lafont, oui. Qui passe une nuit dans le musée dans la maison Anne-Franck. Oui. Et j'ai été, ben là justement, elle parle en jeu, elle parle de son, à la fois de, je trouve qu'elle se livre beaucoup sur qui elle est, sur ses émotions, ses sentiments, sur sa vie, et j'étais très touchée par sa voix. Et par ce qu'elle nous donne à partager. Alors, tu m'offres la possibilité d'une dernière question. Oui. Tu as dit que tu ne faisais pas d'autobiographie, oui. Que tu faisais du roman. Tu viens de nous citer l'ouvrage de Lola Lafont, qui, oui. Donc, c'est une excellente collection. C'est chez Stock, ça s'appelle La nuit au musée. Oui, c'est ça. Ce sont des petits ouvrages noirs, généralement, avec, oui. l'écriture jaune. Y a notamment Leila Slimani, qui en a fait un très beau en s'enfermant dans la Punta del Dogana à Venise, qui est une des implantations de la Fondation François Pinault. Est-ce que ça te plairait, toi, d'en faire un dans la collection, si demain Stock t'appelait et te disait « Anne Duvivier, où est-ce que vous voudriez passer la nuit dans un musée ?» C'est une sacrée expérience, en tous les cas. Oui, ben écoute, je ne pense pas que ça risque de m'arriver. Ceci dit, l'expérience serait quand même très, très exaltante. Hein. Et tu aurais une idée de musée ? Mais oui, mais il a déjà été fait, c'est le musée d'Afrique. Ah, il, oui. a été fait par un auteur français dont j'ignore le nom, parce que j'ai entendu ça à la radio. Oh mon Dieu, non, je n'ai pas un musée, peut-être Magritte. Voilà. Mais écoute, on pourrait encore continuer longtemps, mais on va clore ici l'entretien. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Donc pour rappel, le dernier livre, Eden Beach. Un tout grand merci, Anne Duvivier. C'est moi qui te remercie, François-Xavier.